Bonsoir. Bon, un débrief très rapide. Bonsoir à tous, c'est Gangs 57 et bienvenue sur la chaîne Débrief. Défaite de nos Grenats à domicile contre Clermont 2 buts à 1. Ça fait déjà mal au cul. On conserve le défaut d'Auteuil, le leader. Je vais pas lâcher mes mots. Je vais lâcher les mots direct. Farid a été nul. Farid a été dégueulasse ce soir. Farid nous a fait le pire match de sa vie. Au début de saison, il était impeccable. Voilà, il claquait des buts, il faisait des bonnes passes. Je fais ça vite parce que les gars, j'ai pas assez de batterie pour continuer le débrief. Attendez, les gars, je regarde. J'en suis. Ouais, ça ne va pas passer. Voilà, donc les gars, bon, Farid a fait un pas un super beau match. Hein, ça a été compliqué pour lui. Il nous fait perdre un ballon, mais on aurait pu marquer des buts, mais non. Farid, il nous perd le ballon, il contrôle comme une merde, c'est pas possible de contrôler comme une merde, c'est pas possible, il nous fait une rivière, c'est pas possible. C'est une honte, c'est une honte pour Farid, mais Farid. T'aurais pu mieux contrôler parce que tu étais aux abords de la défense. On se prend un but à cause de lui. Non, mais il nous a fait une Rolando. Il nous a fait une Rolando, honnêtement. Bon. Quoi d'autre? Bon, Farid, on va pas s'en plaindre sans son cas. Beaucoup d'autres joueurs. On va remercier Maïga qui nous a marqué un très très joli but, hein, je crois d'ailleurs. Maïka qui nous sauve, il nous égalise. Voilà, hein, on aurait pu rester à son score, mais non. Mais non. Sans compter sur notre défense, qui a fait un match difficile ce soir. Hein. Notre défense, John Boyce, Fofana, Sunzu n'était pas là. Je pense qu'il revenait de blessure ou un truc dans le genre, donc il a mis Fofana en défense centrale. Ça fait un match. Bon, Fofana, voilà, il est plus milieu de terrain, il est milieu. Axial, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Il est milieu en bas du défenseur. Il est plus là. Après, défenseur central, ça peut être son poste aussi. Il joue défenseur central. Je crois qu'il joue derrière défenseur central. Bon. Okidja, impérial, hein, toujours. Bon, deux buts quand même d'encaisser. Mais c'est pas grave, les gars. On conserve le fauteuil de leader. Allez, prochain match, c'est à Monaco en 16e de finale de Coupe de France. Faudra aller chercher la qualif là-haut. Et pourquoi pas voilà hein, bon pas de montage, pas d'intro de Ligue 2, quoique si quoi, juste mettre l'intro de la Ligue 2 et tout ça, mais pas de d'image ce soir hein, les gars, c'est vraiment bon parce que j'ai pas assez de batterie et je peux pas faire les montages énormes. Voilà les gars, donc je vous ferai tout ça. Je vais même le poster sans intro et tout ça. Je vais mettre ça comme ça parce que bon, le montage, bon, ça prend pas de temps, les gars. Mais voilà. Je posterai le débrief demain. Pas dans la... Parce que bon, là, il est tard. Et je le posterai donc demain. Les gars, le débrief sortira demain à. Il est 22h. Demain à. Je l'essaierai de sortir l'après dans l'après-midi. Ok? Voilà, les gars. Le temps que je fasse le montage et tout ça, ça pourrait marcher, ok? Allez les gars, merci d'avoir suivi ce petit débrief et on se retrouve pour le débrief de la Coupe de France entre Monaco et Metz dans quelques semaines, dans quelques jours même. Allez, je vous laisse, c'était quoi que ça va être. Ciao, ciao, ici c'est Metz.